Salut à tous, salut à toutes, c'est Griffbox et je suis avec Garnick et Big Sakid qui se partagent des pièces d'équipement en diamant. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut, salut. Moi aussi, c'est vrai que j'ai le magnifique À nous, pantalon. à nous tous, on est stuffé en fait. Le Godly Legging. En fait, ouais, à nous tous, on est un personnage super balèze, mais vu qu'on est séparés, on est tout. Non, on n'a pas le torse encore. Ouais, alors. C'est moi qui vais de la voir. Peut-être le 13e. Ah oui, non, c'est toi qui devais l'avoir, c'est vrai. Donc, 13e épisode sur. Non, mais ça se trouve, ce sera pas le tort, ça pas aventure. On avait dit. Enfin, on avait fait au dernier épisode un concours, en effet, de canne à pêche. Qui permettra. Enfin, qui a permis de désigner Garnick comme le détenteur de la prochaine pièce d'équipement. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Si c'est une plume enchantée, je m'en fous, tu la gardes. Attends, mais je te le dis, c'est la prochaine pièce d'équipement qu'on aura. Et d'ailleurs, on est à l'avant. Enfin, on a fini les deux donjons, donc enfin les deux donjons qui sont près du spawn. On va bientôt, on va dans cet épisode déménager, aller au prochain village pour plus tard refaire le prochain donjon. Prochain donjon qui est l'avant-dernier donjon. Donc, on est pas loin de la fin, même s'il nous reste le dernier donjon et le combat contre l'Ender Dragon. Vous savez qu'on a fait des petites bibliothèques pour avoir des enchantés un peu plus pétés. Bon, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand chose à enchanter vu qu'on l'avait fait juste avant. Donc c'est pas grave. Moi j'avais 19 levels et des trucs à enchanter, donc c'était pas perdu. Ah d'accord, moi j'avais que 25 niveaux. Bah limite, ouais, ce qu'on va faire c'est qu'on va. On va se faire une micro-coupure, on va récupérer un peu notre barda, on va se mettre à la limite de ce qu'on avait exploré. En gros, la limite qu'on n'a pas encore exploré pour aller vers le nouveau village, et on vous dit à tout de suite. Ok, nous sommes de retour pour vous, ça fait une microseconde. Pour nous, ça a fait 15 heures. Donc, vous pouvez voir que nos inventaires sont pas mal garnis. En effet, on est parti récupérer. Pas mal garni. Je suis le. BX, tu sors. Je suis le. Aïe. Bien fait. Je suis celui que vous devez protéger, puisqu'en effet, j'ai tout le fer, tous les diamants, tous les émeraudes. Moi, j'ai les lits. Voilà. J'ai les cookies, c'est plus important. Ouais, bon, on a tous un certain niveau d'importance. Alors, au niveau de la map, nous sommes ici. Vous voyez, on est tout en haut de la map. C'est bien sûr la troisième map qu'on a eue, celle du soi-disant biome marais qui en fait est un désert. Nous sommes juste en face d'une petite rivière. En fait, on doit aller tout droit. Si on va tout droit, on va normalement. Ça sert à rien, on se fait plein. Non, mais gardez ça parce que si on doit faire du four et compagnie, on va être dans la mouise. Donc, on va aller tout droit. Normalement, on devrait croiser un donjon à ce moment-là. On ne fera pas, bien évidemment. Mais on sera beaucoup plus proche du machin village du coup ce qu'on aura simplement à faire ça sera longer la côte donc tout droit pour aller au donjon. Et c'est quand qu'on bâtit notre forteresse? Eh ben bonne question, j'ai bien envie de la faire dans le dernier biome en fait. Je pense que ça sert à rien de la faire. Pourquoi? Ben en fait on va la faire, on aura fini l'aventure, on est nul en construction, on va faire 4 vieux murs qui vont servir à rien. C'est un objectif. Non mais vous le filmez pas, on l'a construit, on l'a construit en off et... Si vous voulez, je vous fais une tour. Ouais, ça va ressembler à une bite ou une fusée ou un cul de poulet. On a tout eu. Mais pourquoi poulet? Non mais ça, c'est pour poulet, quoi. Ah, mais tu m'as tué. Il y a des fleurs partout ici, donc... Ouais, il y a peut-être des bonus. Déjà, Garnick va être en... Un Garnick sauvage apparaît. Bah, il y en a une là. Non, c'est pas un cercle, ça? Non, c'est pas un cercle du tout. Moi, j'en ai trouvé un. Fleurs qui t'ont appelé. Il y a quoi dedans? Bah je sais pas, je suis en route. Bon. Et tu es pas les animaux du style cochon, vache et tout, je vais les faire cuire directement. Un chien qui a des os. Moi. Donne. Ou vas-y, tu peux l'apprivoiser. Il y a une épée, charque pas, tu le pas, tu le pas. Oh. Eh non, ouais, tu fais mal toi. Ah, ça fait mal hein. Tu sais ce qu'ils ressentent tes petits chiens maintenant. Sharkness 1, knockback 1 dans le coffre. J'ai pas confiance. On va prendre. Oh non, j'ai perdu. Oh, j'ai perdu à moitié mon sens de direction. Ça allait mourir. C'est tout droit. Je sais pas du tout à quoi ressemble le donjon. Oh, un peu de petits chiens. J'aurais pas dû le dire. À la show. Alors, bon, les gars, je me tépérais parce que là, je fais le plein de bouffe. Il y a plein d'animaux, donc je les fais directement cuire à coup de arc. Non, mais attends, c'est quoi cette espèce de. De permission que se donnent les gens là d'y aller en stépéant, en stépaysant. C'était pas paysan. C'était paysan. Ah là là, c'était paysan. Je crois que je me tépais sur Garnick parce que.
J'ai une meilleure compétence d'escalade que toi. Oh, c'est très très beau, puis on voit BX là-bas tout au bout. Où ça? Aïe aïe. Moi, je te vois plus BX. On était, on le voyait là-bas sur la plaine, là-bas tout au bout. Belle petite forêt. Ouais, c'était belle. Bah, je vais continuer de tuer des vaches parce que je me fais des steaks du coup. Une forêt, ma foi, un fort beau gabarit. Ah si, je te vois, t'es là. Eh, c'est gros qu'on a pas imbriqué la Fox. Je l'ai pas pris en tout cas. Fuck, non, moi non plus, il reste dans le coffre. Yeah. Dommage. Hop, 13 steaks de vache cuit. D'ailleurs, on sait pas, mais enfin, vous l'avez vu, hein, mais on sait pas ce que c'est devenu. Mais le biome jungle, là où on était, c'est-à-dire le deuxième donjon qu'on a fait, enfin le deuxième village et le deuxième donjon, qui avait de la gueule pour le coup. Je dois avouer que c'était un des plus beaux de la map pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il est devenu, puisqu'on y a foutu le feu, on s'est barré. Le serveur, c'est pas. Donc, vu qu'on a des chunky, les. Enfin, tu sais, vu qu'on a des. Ouais, mais ça, des ouais, chunks, mais ça brûle pas. C'est vitesse quand même. Ah si, ça sera fini de brûler. Enfin, ça se sera arrêté. Quand on y retournera, ça reprendra. Ouais, voilà, mais si là on y retourne, ce sera dans l'état dans lequel on l'a laissé. Hein. Ça a dû cramer un petit peu, mais pas beaucoup, beaucoup. Un petit peu, ouais, le temps qu'on marche, mais c'est tout, quoi. Dommage, dommage. Oh, un petit chien. Oh, un chien grillé. Et montagnes enneigées, ce qui est normal. Ouais. Oh mon dieu, c'est haut. On va atterrir dans les Vosges. Dans les Vosges. Mon dieu, ce que c'est haut. Ah, mon dieu. Mais ça a de la tronche, j'aime bien. On fait un bon boulot. Quoi? Quoi? Chadoui en escalade. C'est vrai qu'on aurait dû faire un concours d'escalade, tiens. Avec un truc comme ça, premier arrivé en haut et tout. Mais non, hein, je sais pas si je l'avais dit, mais on fera une course de. Non, tu l'avais pas dit. C'est vrai, je l'ai pas dit? Non. On fera une course de bateau. Voilà. Arrivé, il y aura une espèce de balise dans la flotte. Faudra faire le tour et revenir. Mais c'est stupide. Faire 3 tours et revenir, pardon. À savoir qu'on a le droit de péter les bateaux des autres et tout. Hein. On aura 3 bateaux chacun. Et on aura le droit d'exploser les autres bateaux et tout et tout. Ça sera un peu violent. Ah bah c'est pratique avec un arc. Hey Garnick, te mets pas sur la même casque que moi. Espèce de salaud. Oh attends. C'était complètement calculé, chers amis. On vous jure qu'on le fait pas exprès. Attends, y'a quoi ici? Mon dieu. Un début de grotte. Est-ce qu'on aura le droit à... Non, en fait, y'a que d'âge. Ah si. Oh, oh. Aïe. Luminosité, pardon. Mais si, y'a une grotte dans la montagne. Ah non, en fait, c'est que des trucs fermés. Non, descends pas, Garnick. Non, je descends pas, je suis le parti. Aïe. C'est haut. Aïe. Allez, je vais pas faire ma feignasse. Aïe, c'est haut. Je vois une tour. Ouais, on l'a vu. Ah, c'est vrai, il y a une tour. Ouais, c'est vrai, c'est pas ma. C'est peut-être ça. Je vous remercie d'avoir refermé sur moi, hein, pendant. C'est pour vous qu'il te fasse attaquer par les monstres pendant qu'on est pas là. Du coup, je sais pas du tout par où sortir. Mais c'est pas grave parce que j'ai la magie. Du TP. Ah, j'aurais dû sauter au moment là, tu te serais téléporté dans les airs, t'aurais. Comme dans les cartoons, tu sais. Mince. Alors. Elle était où la tour? En face de toi. Le mec, il a vu un truc 3 secondes après. Mais elle était où Entre deux, j'ai genre perdu 300 cellules. J'ai genre enseveli Grey Fox. J'ai genre explosé 300 neurones, les gens. Alors. Hop. C'est bien sûr le donjon. Enfin, j'espère, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas du tout à l'endroit où on devrait être. Je pense pas qu'il y ait des donjons. C'est un supermarché en fait. Ouais. Mais en tout cas, vu la tronche du truc, ça a l'air flippant. Je sais pas pour vous, mais une tour comme ça. En plus, au niveau des nuages, bah, même plus haut. Ah, vous ne voyez plus rien, c'est les nuages. Waouh. Trop d'oxygène pour un kick. Bah, trop d'oxygène tout court. Mens. Je sais pas si tu peux mourir de trop d'oxygène entre nous. Que ouais. J'ai peur. Non, je dis des conneries, il y a un manque d'oxygène en haut. Je raconte n'importe quoi. Oui, parce que bon. Tout en haut, il y a presque plus d'oxygène. Juste assez pour que tu suffoques et que tu crèves dans d'atroces souffrances. Ouais. Bah, déjà qu'à ce niveau-là, niveau physique et tout, t'as intérêt à être un minimum préparé, sinon tu tombes dans les vapes. Hop. Bon, alors les mecs, j'ai 15 steaks de vache, 6 poulets et 7 steaks de porc. D'accord. Déjà, ils sortent chez lui, ils tombent déjà dans les vapes.
BX il ouvre sa fenêtre. Bah là, il y a plein de vaches. Il y a plein de vaches là où on est là. Tu peux te taper sur nous ou tu vas te faire payer? Non, mais je suis derrière vous, pas besoin de me taper. D'accord. Non, parce qu'il y a lui avec sa co. Voilà. Oh, comment j'ai allumé? Oh mon dieu! C'est une apocalypse des vaches! Poquez-vous les vaches, poquez-vous! Des météorites! Ah! Des météorites nous tombent dessus! Non, Marguerite, je vais te sauver! C'est le mec qui saute au ralenti. Non, Marguerite! Oh mon dieu, cette violence contre les Marguerites! C'est n'importe quoi! Ah merde! Allez, Bix, fais-toi plaisir! Alors en plus ça va être la nuit, c'est pas cool parce que là on va vraiment prendre cher. Je peux faire de la lumière avec mes flèches. Pourquoi t'as une flèche dans l'oreille, Grifox? Non, c'est un piercing, mec. Ah c'est bah c'est bon, on est arrivé au village. Ah non, elle a dépopé. Alors c'est un village non, c'est ou c'est une maison? C'est pas possible que ce soit le village, mais honnêtement ça m'arrange vachement parce qu'on va poser les lits ici, on va passer la nuit. Ah, c'est très bien que ce village. Ah, y a un PNJ sur le côté. Alors bonsoir messieurs les PNJ, vous êtes ouverts. Qu'est-ce qu'il ouais, vaut steak. Oh, une émeraude pour 20 flèches. Pas 30 émeraudes pour un Infinity 1. Ouais, c'est un arc Infinity, ça fait pas de dégâts un arc Infinity. Non mais ta flèche infinie mon gars. Ouais. 35 émeraudes pour un Power 5. 35 émeraudes pour un Flame 1. Eh, c'est pété hein. Punch 2. Ah, c'est donc un spécialiste des flèches que nous avons là. Très bien, c'est des arcs, pas des flèches. De creeper. Ouais, flèche arc, c'est pareil. Tu sais que moi je n'utilise pas de flèche, moi. Je suis. Il tape avec l'arc en fait. BX, tu me déçois. Oh, BX, tu me déçois. Ah, touché, vas-y. Pourquoi il me regarde bizarrement lui? Ah, oh. Ne vous couchez. Oh, c'est bon, t'as touché. Ah, y'a un PG. Je pète. Alfred. Oh. Je vous surveille, vous inquiétez pas. Voilà. Ouais. Ce mélangement de corps. Ce moment de repos, on en a eu besoin. On en avait besoin. Je suis une tente que je vois en fait. Bien là où je crois que l'on est. Donc il nous suffit de longer, enfin de surplomber cette montagne. On devrait peut-être voir à l'horizon. Peut-être. Moi aussi, vous aiderez mettre des verbes qui n'ont aucun sens avec la phrase en l'occurrence. Un village. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que t'as dit surplomber. BX. J'ai dit nous allons passer cette surplombée. J'ai dit surplombée. Oui, t'as dit surplombée. T'es dans un tunnel, BX? Non. On t'entend moins fort. Et bah toi tu lags. Le mec qui se branche comme ça, ah, tu sais, aucun argument du coup. Ah bah tu lags. King argument. Ah ouais, c'est ça. De toute façon, BX, on peut toujours lui dire ça, hein, quoi qu'il nous dise. Ouais, bah oui, c'est l'argument ultime pour BX. Si blague sur la connexion, puis hop. Non, mais de toute façon, je suis tellement habitué à laguer que ça me fait plus rien les insultes, vous savez. Ça fait 15 ans que ça dure, donc... J'ai aussi l'impression que ça fait 15 ans qu'elle dure, cette série sur... The Land of Reminiscence. Ça fait combien d'épisodes? Waouh. Des fois, t'as des blancs garnis que ça fait... Tu parles, ça... Ah ouais, je l'ai eu aussi. 15 ans après. Mais en fait, j'ai des problèmes avec Skype en ce moment. Enfin, ma connexion est bizarre, elle lag, mais que sur certains trucs. Je vais jouer, je vais pas avoir un pet de lag, je vais télécharger, ça va être des bits de folie. Et ah, j'ai failli les prendre, c'est chiant, bizarrement. Et non. Sur Skype et Mumble, j'ai des trucs bizarres. Du pain ou du charbon, je sais plus. Des vaches là-bas, mec. Une maison. Ouais. Fois, une maison. Maison. Serait-ce un village? Est-il oui, oui, c'est oui. Un village, il y a d'autres maisons, mon dieu, nous avons trouvé le village. On pourra les cramer, on pourra les cramer. Pardon. Ouais, c'est bon, on pourra le cramer. Alors, c'est un village basique, hein, c'est exactement. Enfin, il est très ressemblant à celui qu'on avait découvert au début. Ouais, mais il est beau. Jusque-là, pas de soucis. De nous tirer dessus. Bix a essayé de nous tirer dessus, ouais. Je crois qu'on t'aurait pas remarqué. Alors, trouver le PNJ important. Alors, moi je prends. Je squatte. Non, viens ici, Garnick. Non, viens ici, c'est plus grand, il y a des fours et tout, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Viens ici, c'est très très grand, c'est parfait ici pour s'installer. Alors, c'est le PNJ là, non? Non, je sais jamais lequel. C'est pas le PNJ en blanc? Ouais, c'est ça, hein. C'est le PNJ en blanc. Si quelqu'un veut bien faire le tour des coffres, j'ai jamais rangé. Donc je rappelle, on cherche le PNJ en blanc pour lui acheter la map. La map. La map. C'est la carte.
il dégage. La map du... de la région. Nous sommes normalement dans la région Nord. Enfin... ouais, Nord. Y'a pas de villageois, j'ai l'impression qu'il est pas là. Peut-être pas, hein. Ah bah ça pue. Et ça pue méchamment, si vous voulez ce que je veux dire. Ah, parce qu'il y aura pas la carte. Non, Bix, le stuff il est là-bas. Tu fais déjà n'importe quoi. Le stuff c'est là ? Attends, c'est bon, moi j'ai mis 4 lignes, t'en as mis une, tu me fais pas chier, c'est là le stuff. Non, le stuff c'est là où je suis. Là. Ah, va mourir. Non, va mourir, hein. Tu me saoules, va mourir. Et les émeraudes et tout ça, c'est où ? Attends. Où tu veux. Où je veux, bah je vais. Alors, plop, 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 plop. Je peux te faire un collier avec si tu veux. Plop, plop. Plop, 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 plop. Et la nourriture, c'est où? Dans mon inventaire, et ça, c'est à moi. Ah oui, je vais mettre là. Plop, plop. Voilà, je suis débarrassé de ce que j'avais. Alors, ce fameux villageois blanc qui est censé. Bah, du coup, on va devoir checker tous les autres villageois, hein. C'est peut-être pas celui-là. Hein. Donne-nous la carte. Ah oui, tiens, c'est le forge LOL qui nous donne des protections 1 en équipement. Protection 2. Et oui, honnêtement, ça pue. Une épée sharpness et knockback. Ça sent le creeper. Flame. Bix, il a déjà tué tous les moutons. Bah, il est là, le villageois. Ah bah oui, il est là. Et cherche pas, il disparaît, c'est tout. C'est malin, on n'a pas les émeraudes pour payer. Oh putain, 2 livres, il te donne une émeraude. 2 livres, il te donne une émeraude. Garde les livres, Bix. Hein. Ah, je sais que t'as eu plein de cuir. Voilà, map de la région. Non, je vais pas récupérer le cuir, j'avais mon inventaire full. Ah d'accord, t'as tué plein de vaches et t'as pas du tout récupéré le cuir. Oh, merde, j'ai pris 3 cartes, le boulet. Ah bah deux ans, t'as fait péter les cartes. Hein. Ouais, si vous en voulez une, tiens. Comme ah, ça, pour un coup, on en aura une, ouais. Vous pouvez vous repérer. Fais péter la carte, hein. Merci. Hop, du coup, je vais ranger avec les émeraudes. Tiens, Grafox, t'es où? Cette carte. T'as mis où les autres cartes? Wow, dans ce coffre là, bon. Coffre avec les diamants émeraudes et tout le tout. Okay, le tien. Hop. Si. Waouh, c'est beau. Wow. Alors, vous voyez, c'est exactement là où on est. Encore une fois, je me suis très très bien repéré. Je suis très content. C'est pas possible. Dans cette direction. Alors, j'arrive à me repérer. Ah ouais, du coup, vous êtes tous vous aussi sur la carte. Mais barrez-vous. Tu gênes, connard. Dans cette direction, on aura le fameux donjon qu'on aura exploré la prochaine fois. Donjon de quoi je ne sais point. Qui m'a tapé? C'est toi. Quoi? Mais je viens d'arriver. Non, 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 c'est toi, tu m'as tapé. Ouais, genre, je viens d'arriver. Autant, mec, je viens de débarquer dans le village. Viens voir, regardez, qu'il y a un truc dans le puits. Dans le puits. Ouais, dans le puits. Viens voir, il y a un truc dans le puits. Poussez-le dans le puits. Allez, vous faire noyez-le dans le puits, dans des dieux. Vas-y, va dans le puits. Ah non, arrête, t'abuses. Va t'éteindre. En chassant, je te le confisque. J'ai dit ton inventaire et je te le confisque. Je vais torcher un peu la zone. Ça évitera le popage de zombies. Ouh, et des grandes chances. Le popage de zombies, tout à fait. Hop. Hop. Qui a fait un tapis dégueulasse en... en laine là, c'est quoi cette horrible chose? Pourquoi y'a un bloc de laine noire ici posé? C'est un mouton. C'est un mouton, c'est ça? Attends, on va lui faire la tête. Ceci représente un mouton. Attends, regarde, regarde. Ça c'est la tête. Hop, ça c'est les pattes. Voilà, un très joli mouton. Ouais. Faites marcher votre imagination, je vous en supplie. Ça derrière c'est sa queue, et voilà. C'est Gérard. C'est sûr ce massacre qu'on va se laisser parce qu'honnêtement ça commence à faire trop long là. Trop de bêtises pour ce 13ème épisode. Voilà, épisode déménagement, on est dans le nouveau village. Arrête Bix, on t'appelle le PNJ. Viens m'aider à le taper, Garnicron. T'as de ce côté là. Tu ne peux pas fuir. Mais si. On le tape par la fenêtre. Vas-y, vas-y, vas-y. Pousse-le vers moi! Pousse-le vers moi! De l'autre côté, vas-y! Bonjour, il y a des zombies! Aïe aïe aïe! Allez, c'est bon, je me rends. Allez, merci d'avoir regardé ce 13ème épisode sur The Land of Reminiscence. Nouveau donjon à venir, prochain épisode. Merci, Galek, merci pour avoir rentré! Merci tout le monde!
Mais une plaque de pression, il pourra pas rentrer. Oh, bâtard.